Eh bien salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? Pour ma part ça va super bien, regardez-moi ce beau camion les amis. Nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube sur Euro Truck Simulator 2. Cette fois-ci je suis en solo pour une vidéo très spéciale. Regardez, alors déjà il y a deux caméras sur cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est peut-être pas le meilleur angle que j'ai eu. Si jamais vous avez des idées pour cette caméra, où est-ce que je pourrais la mettre? Au moins vous voyez mon levier de vitesse ici, vous voyez bien le volant ici. Donc voilà, j'ai acheté le G27 il y a quelques jours et je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai eu par rapport au coronavirus, parce que là je reste à la maison, je roule, c'est génial, c'est trop bien. Donc là j'ai un beau petit camion que je me suis fait de la marque DAF, DAF bien évidemment. Et aujourd'hui nous avons une petite mission, elle est écrite là, voilà. On va transporter des batteries de voitures usagées, on va aller en Angleterre. Donc là on est actuellement en France, on est d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le plan carte du monde. Nous sommes actuellement, il me semble, à Paris, voilà, on est au secteur de Paris. Et on va aller à Kiel, ou Kiel, je ne sais même pas comment ça se prononce. Où c'est que c'est d'ailleurs, je ne sais pas où c'est, mais ce sera écrit sur la carte quand on prendra eh bien la marchandise. Donc voilà, petite vidéo à la cool. C'est vraiment pas le genre de vidéo que vous verrez souvent sur ma chaîne YouTube, parce que je vais essayer de faire le moins de montage possible. En revanche, par contre, vous me retrouverez en live sur Twitch à faire des streams sur Euro Truck Simulator. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me joindre eh bien sur Twitch. Le lien, il est dans la description. Donc voilà, c'est un peu une vidéo ovni hein, sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, il n'y aura pas trop de montage, peut-être quelques petites coupures, mais ce ne sera pas non plus voilà, une grosse vidéo avec beaucoup de montage. Ça va plutôt être chill and relax. Voilà. Du coup, maintenant, on va regarder le trajet. Je voulais vous montrer du coup ce qu'on va faire. Donc on va partir de Paris, on va prendre ici le ferry, voilà. C'est pas le tunnel sous la Manche, ça, si je ne sais plus. Si ça c'est le tunnel sous la Manche, il me semble. Et après on sera en Angleterre, donc il faudra rouler à gauche, bien évidemment, et on ira à Felixstowe. Mais je croyais qu'on allait à Kiel. Finalement, non, en fait, c'est des bêtises. Donc voilà, on va à Felixstowe. Et donc le trajet dure 6h58, évidemment. Donc on est parti. Et on va mettre, les amis, les gyrophares, parce que c'est très stylé. Voilà, on est parti. Donc là, ça va être très sympa. Comme dit, l'angle de caméra, je sais pas si c'est le meilleur, mais voilà, je me suis dit, je vais mettre deux caméras tant qu'on y est, deux petites webcams. Si vous avez des idées de où le mettre, n'hésitez pas à me dire. J'ai aussi les pédales au pied, mais ça, évidemment, j'allais pas vous montrer, parce qu'en plus, je suis avec mes chaussons charentaises, donc c'est pas très sexy. Hein. On va pas se mentir, c'est pas très glamour. Voilà, d'ailleurs, ne conduisez pas en chaussons, bien évidemment. Alors aussi, je pense que vous allez l'entendre, comme mon volant en fait il vibre en fonction par exemple des obstacles sur la route, il y a le retour de force, donc j'ai vraiment laissé les vibrations pour que ce soit le plus réaliste pour moi possible. Non, j'ai un peu peur que ça s'entende dans le micro, donc à voir si c'est dérangeant ou pas. Pour les lives je couperai peut-être du coup les vibrations du volant, on verra. Vous me direz d'ailleurs si ça vous dérange ou pas, ou si vous aimez bien. Du coup, voilà. Par contre, ils sont chiants là sur rond-point, il y a beaucoup de circulation. Allez, c'est parti, j'y vais. Non, ok, il s'en bat les couilles. Ok, bon. Faut faire attention à l'intelligence artificielle qui est parfois un petit peu conne. Hein. C'est un petit peu comme en multijoueur, les gens sont cons. Bah là, c'est l'intelligence artificielle qui est un petit peu conne. Voilà. Et en tout cas, franchement, pour avoir pas mal joué là ces derniers temps du coup avec ce G27, je suis refait, c'est tellement agréable, c'est tellement cool en termes de, bah je sais pas, de ta façon de conduire, c'est, je trouve ça a plus du sens de jouer du coup à Euro Truck Simulator avec, avec tout ce dispositif. Je trouve ça vraiment trop cool quoi, juste le fait de passer les vitesses, d'avoir le volant, etc. Enfin c'est vraiment, vraiment trop cool. Ça te donne envie de jouer bien, de respecter les limitations. Parfois de faire le con, évidemment. On va pas se mentir, t'as envie de faire le con des fois. Surtout en mode multijoueur. Mais ça aide énormément, par exemple, en multijoueur. Bah voilà, parfois, il y a des accidents, il y a des camions qui se retournent parce que les gens roulent n'importe comment. Et du coup, ça te permet d'éviter de faire des coups de volant. Voilà, c'est vachement cool. Franchement, c'est vachement cool. Du coup, encore une fois, voilà, si vous voulez retrouver des lives... bah en fait, c'est simple. Si à la fin de cette vidéo, vous êtes resté parce que vous avez bien aimé la vidéo... Bah c'est que vous allez bien aimer mes lives, puisque de toute façon d'ailleurs j'interagirai avec vous. Donc bah si vous aimez ce genre de vidéos et de lives, bah rejoignez-moi sur Twitch directement. Voilà, followez-moi, je ne sais pas si ça se dit. Voilà, on se retrouve sur Twitch. Twitch.tv/mcolooff. Voilà, évidemment je peux pas et je ne ferai pas eh bien des lives tous les jours sur Euro Truck Simulator. Hein. Évidemment il y aura des... Il y aura et il y a encore aujourd'hui évidemment des lives sur Call of Duty Modern Warfare. Je pense notamment au Battle Royale Warzone. Des lives sur The Forest avec Marion et Firestorm. On en profite comme il y a le confinement, personne travaille. Enfin, personne travaille en se déplaçant, donc ça c'est vraiment cool. Donc on en profite, voilà, des petits lives un peu
sur Euro Truck, sur The Forest, sur Minecraft, Madventure évidemment, et puis sur Call of Duty. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors du coup, évidemment, en termes de réalisme, on n'est pas à 100%, étant donné que là, en fait, vous pouvez voir juste ici à la combienième vitesse je suis. Donc là, je suis à la 16e vitesse. Et pour être très transparent avec vous, sur mon levier de vitesse, je suis à la 6e. Donc là, je suis à ma dernière vitesse. Mais les vitesses sont pas réelles. Parce que, pourquoi? J'ai pas envie de me casser la tête. Je peux le faire dans les réglages. Passer la vitesse, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Sauf que le problème, sur ce camion, il y a 16 vitesses. Donc 16 vitesses, ça veut dire qu'en gros, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon, c'est très très chiant. Donc là, globalement, quand je mets la première vitesse sur le levier de vitesse, ça me met la 1. Quand je mets la 2, ça me met la 4ème vitesse. Quand je mets la 3, ça met normalement la 5ème, si je dis pas de bêtises. Enfin, voilà, bref, vous avez compris. Et la 6ème vitesse, c'est la 16ème vitesse, voilà. Est-ce que vous m'avez suivi? Oui, je pense. Je pense. Donc là, on va sortir donc direction Calais, puisque du coup, on va prendre le tunnel sous la Manche. Donc là, je rétrograde à ma 5ème vitesse. Et donc vous voyez, c'est la 13ème vitesse sur le camion. Voilà. Donc là, on va se concentrer parce que typiquement, c'est là où je me vautre parfois. Et là, vous entendez, je pense, le camion qui... Enfin, le volant qui vibre. En fait, ça me fait de la résistance. Bon, après, je suis en 2020 en train de vous expliquer ce qui fait le volant, mais je suis sûr que vous connaissez tous. Hein, je veux dire, à un moment donné, c'est pas non plus nouveau de ouf. Mais pour moi, c'est de la découverte, je découvre. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas eh bien, le G27, etc., bah, ça me permet de vous le présenter. Alors, pourquoi j'ai pris le G27 et pas le G29? Ça vient de la marque Logitech, évidemment, je l'ai payé de ma poche. Hein, donc, j'ai pas de sponsor, pas de partenariat ou quoi à ce niveau-là. Mais pourquoi le G27 et pas le G29? Donc, de Logitech. Bon, évidemment, d'ailleurs, j'ai découvert un truc de ouf. On peut prendre le télépéage. Attendez, normalement je suis pas obligé de payer par la carte. Là je peux continuer ici normalement et ça va aller tout seul, il me semble. C'est ça, trop bien. Par contre j'ai failli me prendre la barrière parce que je suis allé un peu trop vite, mais au moins j'ai pas besoin de m'arrêter, donc ça c'est vraiment cool. Ouais, du coup je disais pourquoi le G27 pas le G29. Ouais c'est ça hein. Eh bien pour la simple et bonne raison qu'en fait le G27 est forcément moins cher que le G29. D'ailleurs, très très gros bon plan sur Amazon. Je l'ai acheté donc d'occasion, le G27, avec compris le volant, les pédales et le boîtier de vitesse. Et c'est beaucoup moins cher que le G29, alors que le G29 dans le pack sur Amazon, certes il est neuf, mais il est plus cher et il n'y a pas le levier de vitesse. Il n'y a que les pédales et le volant. Donc déjà là, c'est pas que c'est une arnaque, le G29 est plus récent que le G27. Mais entre le G27 et le G29, quelle est la grosse différence? Enfin, quelle est la seule différence? C'est que le G27 est uniquement compatible pour PC, il me semble. Peut-être PS3, je suis pas sûr. Alors que le G29 est compatible et pour PC, et pour PS4, et pour Xbox. Sauf que moi, j'ai ni PS4 ni Xbox, donc pourquoi je prendrais un G29 alors qu'il n'y a aucune différence? C'est juste une histoire de compatibilité. Franchement, le G27, il tient la route. Et voilà, j'ai regardé plein d'avis. Après, je ne sais pas, ça se trouve, dans deux jours, il va me lâcher. Ce qui m'étonnerait quand même très fortement. Et puis, c'est vrai que quand je regardais des vidéos sur Euro Truck, je voyais les gens qui roulaient beaucoup avec le G27. Donc, je me suis dit, c'est que ça tient la route. Donc, autant prendre le moins cher, qui reste quand même un prix quand même assez élevé, mais ça reste tout de même abordable. En fonction de l'utilité. Et comme je sais que je vais beaucoup l'utiliser, surtout ces prochains temps là, du coup, eh ben c'est un bon investissement, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai pas encore roulé sur cette route apparemment. Si apparemment j'ai déjà roulé sur cette route. Parce que je peux voir sur le GPS. Vous le voyez, hein? Ouais, on le voit sur la vidéo, c'est bon. Direction Calais. Alors juste qu'on regarde un peu la mission. Il me reste 7h35. Enfin, il faut que je rende la livraison dans 7h30, d'accord? Et j'ai 5 heures de route. Ok, donc faut pas que je traîne. C'est-à-dire que j'ai 2 heures de marge, mais faut pas que je traîne non plus. Alors là, c'est limité à 90 km/h pour les camions. Je suis actuellement à plus de 100 km/h. C'est pas non plus le meilleur des plans. D'ailleurs, ce que je peux faire pour afficher... Attendez. Voilà, comme ça on peut voir. Voilà, je suis à presque 100 km/h. Ça va tranquille. Là, de toute façon, ça monte, donc ça ralentit. Et puis écoutez, on va se placer sur le régulateur. Voilà, hop là. On met le petit régulateur de vitesse. Comme ça, ce sera un petit peu moins chiant. Enfin, moins chiant pour moi, parce qu'avec les pédales, ça fait mal aux pieds. C'est comme en vrai. C'est ça ce qui est bien aussi en termes d'immersion. C'est que c'est con, hein. Mais en fait, c'est un jeu et tu t'épuises de la même façon. Tu sais, ça fatigue de rouler en voiture ou... Alors en camion, je n'ose même pas imaginer, évidemment. Dans la vraie vie, je parle. Mais en voiture, ça fatigue au bout d'un moment, les pieds, etc. Tu dois te concentrer sur tout. Je veux dire, c'est pas un jeu, la vraie vie, hein, vous l'aurez compris. Et le fait de faire ça en simulation, dans un jeu, bah, tu refais exactement la même chose. Tu te concentres, ça te fait mal aux pieds, faut que tu sois prêt à tout, faut anticiper. Enfin bref, ton cerveau, il... Pourquoi ils vont tous à gauche, les cons? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est dans ce genre de situation que tu te dis, mais l'intelligence artificielle,
Oh là ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bon, ça passe. C'est pas cool ce que je viens de faire vis-à-vis du camion, mais c'est pas grave. Allez, moi je double tout le monde. Ah, il y a eu un accident. Oh là là. Oh là là. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil conducteur. Ah oui, bah du coup, voilà. Ça te demande les mêmes efforts, on va dire, que quand tu conduis dans la vraie vie. Donc du coup, voilà, t'as les régulateurs, t'as tout comme en vrai, et voilà, c'est génial. Oh, c'est génial! D'ailleurs, il y a une station essence. Est-ce que j'ai encore assez d'essence? Ouais. Ouais, j'ai assez d'essence. Et là, on va sortir du péage. Quand on va aller en Angleterre, ça va être très très drôle, les amis. J'ai vraiment du mal, moi, en Angleterre. Rouler à gauche, c'est vraiment le pire truc. C'est vraiment un calvaire pour moi. Pour moi, il n'y a pas de logique de rouler à gauche. On va essayer de... Vous allez vous foutre de ma gueule. Vous allez vous foutre de ma gueule. Autant ça va, je conduis quand même relativement bien, là, actuellement. C'est vrai, on va pas... N'hésitez pas à juger ma conduite dans l'espace commentaire. Vous me dites si vous pensez que je conduis... Enfin, si vous trouvez que je conduis bien. C'était pas facile de conduire un camion, les amis. Voilà. Et alors là, tous les fans de poids lourds vont me dire « Eh, c'est un simulateur, hein, c'est beaucoup plus dur dans la vraie vie. » Mais je sais très bien, hein, commencez pas à m'incendier en commentaire. Je dis ça sur la boutade. Donc cette fois-ci, je vais éviter de prendre trop rapidement le péage. Voilà, c'est 30 km/h, donc on va les respecter. Voilà, parfait. Péage de 44 € payé, ça fonctionne. C'est super pratique, n'empêche ça. Parce que moi... Oula, j'ai fait un truc bizarre avec mon boîtier de vitesse. Parce que moi, à chaque fois, j'allais sur la section où on paye avec le ticket. Et à chaque fois, il faut s'arrêter et tout. Enfin, c'est pénible. Et en fait, bah du coup, comme j'ai la petite carte pour passer le péage, eh ben, je n'ai point de problème. Eh ben, on va y arriver, les amis, là, au niveau du tunnel sous la Manche, là, bientôt. On va bientôt y être. Ça, c'est sympa. Vous savez ce qui me fait plaisir? C'est pas bien, hein, faut pas le faire dans la vraie vie. Et là, je suis à 80 km/h. Du coup, les véhicules qui me doublent, ils sont un peu dans le mal. Parce qu'ils sont aussi limités à la même vitesse, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ici, c'est 80 pour tout le monde. Du coup, regarde, la voiture qui est à ma gauche, elle est un peu en PLS pour me doubler. C'est pas bien. C'est les gendarmes devant? Ah non. Ok, là, il y a des travaux. 70 km/h, donc évidemment, on va respecter. On va faire gaffe. Tain, je viens de tirer à fond sur le moteur, par contre, c'est pas cool. Ça y est, donc là, il y a le tunnel sous la Manche, là, on y arrive. Parfait. Parfait, parfait. Faudra qu'on prenne à droite. Ouais, là, c'est 110 km/h pour les voitures. Donc, on va prendre le tunnel sous la Manche. C'est là que ça va devenir assez intéressant, les amis. C'est là que ça va devenir assez assez complicado. Mais j'ai exprès fait en sorte de pas prendre une mission trop longue. Donc là, vraiment, la mission, elle est très très courte. Hein. Franchement, on l'a bientôt fini. Hein. Une fois qu'on sera en Angleterre, on aura quelques bornes à faire. Et puis on sera bon, quoi. Ah oui, alors on l'entend un petit peu en fond. J'ai mis un GPS, voix masculine cette fois. J'avais toujours la voix féminine. Putain, le volant est... Calme-toi quand même. Calme-toi quand même. Ok. Vous voyez, c'est dans ce genre d'endroit. En France, tu sais, pour moi, c'est logique. C'est facile, on regarde à gauche, à droite, etc. Mais en Angleterre, franchement, dans ce genre d'intersection, pour moi, la logique, elle est mindfuck. Elle n'existe pas, la logique, en Angleterre, pour moi. Le fait de rouler à gauche, ça me perturbe totalement. Alors, on va quand même prendre large les virages, parce que j'ai quand même une remorque, hein, ne l'oublions pas. Voilà, tranquillou pilou. Et alors là, c'est toujours un peu... Donc là, on peut pas aller à droite, hein, suffit de regarder les panneaux. Voilà, là, les camions, ils peuvent aller à droite. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà, j'ai pris le virage comme un starb. Hein. Et je me positionnerai à gauche. Par contre, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frein moteur, je trouve. Alors, je sais pas si on peut régler ça dans les paramètres. Mais le frein moteur, pour moi, il est inexistant. Hein. Voilà. On va se mettre ici. On va prendre le tunnel sous la Manche. Et direction l'Angleterre. Donc là, on va à Folkestone. C'est parti.
Batteries de voitures usagées, c'est vrai. J'avais oublié qu'est-ce que je transportais, c'est des batteries de voitures usagées. Franchement, est-ce que c'est vraiment utile? Je rigole, évidemment. Évidemment, c'est important. Ok. Du coup, alors attendez, juste petit point sur ce qui nous reste à accomplir. Donc nous, on est là, voilà, vous voyez. On est à Douvres, on doit aller à Felixstowe, c'est juste à côté, quoi. On prend, voilà. Et on va passer à côté, enfin, à la périphérie de Londres, voilà. Et ben, ça va être assez complicado. Ok, bah let's go, hein. On est parti. Il y a personne. On fait doucement. Voilà. Et donc on n'oublie pas qu'il faut rouler à gauche. Et ouais, en fait, vous allez voir, moi j'ai un problème avec les intersections quand on roule à gauche. J'ai du mal à... C'est pas que j'ai du mal à comprendre. Et c'est pas que je trouve qu'il n'y a pas de logique, hein, évidemment. C'est juste que c'est inversé. Mais j'arrive pas à me situer. Par exemple, si je dois tourner à droite, faudra que je me mette à gauche. Enfin, faudra que je me mette tout au fond. Et du coup, enfin, tu sais, habituellement en France, quand tu roules à droite. Regardez, par exemple là, regardez. Là, il n'y a pas de voiture, de toute façon, il n'y a pas de risque. Mais là, par exemple, je veux aller à droite. Donc, si je veux aller à droite. Bon, là, c'est un sens unique, hein. C'est un sens unique, mais regardez, admettons. Alors, là, je suis en train de me bloquer comme un connard. Admettons que c'est un double sens, regardez, on va faire une petite expérience sociale. Admettons que c'est un double sens. En gros, la bande qui est tout au fond là-bas, c'est pour aller à droite, et celle qui est proche de nous, c'est pour aller à gauche. Donc si je veux aller à droite, il faut que je regarde et à droite et à gauche. Alors qu'en France, c'est pas nécessairement obligatoire. Enfin si, le mieux c'est de regarder à droite et à gauche. Mais quand tu veux tourner à droite, le plus important c'est les voitures qui viennent de la gauche. Voilà, vous m'avez compris, c'est parfait, on y va. Donc là, en toute logique, il faut que je me mette le plus à gauche possible. Mais vous allez voir, là, c'est simple en plus, parce qu'il y a les flèches et tout. Mais après, une fois qu'on aura plus les flèches, moi, je suis perdu. Hein. Je suis complètement perdu, je suis un attardé, vous allez voir. C'est n'importe quoi. Voyons voir un peu en vue extérieure, là, notre petit camion avec la remorque. Alors, voilà. Une petite vue sympa. En plus, on n'entend plus le bruit du moteur, c'est assez agréable. Il est beau, mon camion. Hein. Je me suis fait un petit camion couleur bleu cyan, là, j'aime trop. Vraiment, je suis pas insatisfait de mon camion. Voilà, c'est là que ça va commencer à poser problème. Pourtant, le nombre de fois que je fais ce trajet, j'y arrive toujours pas. C'est-à-dire que là, pour aller à gauche, je dois seulement regarder à droite. Enfin, le plus important, c'est les voitures qui viennent de droite. Alors que habituellement, si tu vas à gauche, il faut que tu regardes surtout à droite, surtout à gauche. Ah, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hein, parce que j'ai du mal à m'exprimer. Là, il faut que je regarde là-bas. Ah, ça va, il n'y a pas de voiture. On peut s'engager. C'est parti, bon. Du coup, il nous reste combien de temps? Il nous reste 3h30 de route. Évidemment, ça va passer vite. Hein. Vous savez très bien que c'est Euro Truck. Et il me reste 5 heures avant de livrer. Donc, on a toujours nos 2 heures de marge. Donc, on est vraiment pas mal du tout. Bonjour, les voitures. Oula. Je vais essayer... Je vois le rétro... Extérieur droit, c'est pas beau à voir, hein, donc je vais quand même essayer de plus serrer ma gauche. Donc là, voilà. Ça par contre, ça va, je sais qu'il faut que je me mette à gauche. Tout va bien. Bon, enfin voilà, encore une fois les amis, en espérant que ça vous plaît. En espérant que ça vous plaît, évidemment, pour ceux que ça plaît, je veux dire... de me suivre sur Twitch, n'hésitez pas. J'ai l'impression de parler comme un robot. Je ne fais même pas des vraies phrases. C'est incroyable. Ok, donc là, on va prendre sortie gauche. Donc, direction Dover, London. Oui, puisque du coup, j'ai dit, on va passer par la périphérie de Londres. Là, ça va me demander un peu de concentration. Parce que c'est assez sec, hein, quand même. Hein. Attention. Pour le moment, on n'a pas eu de pète, hein, donc on va éviter de faire un accident. Là, je serre bien ma droite pour que derrière, ça passe. Voilà, nickel. Ça se passe. Voilà, c'est là que c'est compliqué, les amis. Alors, je vais marquer un stop, même si c'est censé être un CD passage, juste parce qu'il me faut. Là, je vais aller à droite. Donc, habituellement, je regarde seulement à gauche. Parce que là, je dois regarder aussi à droite. Bon, y a personne dans tous les cas. Voilà.
Alors attention évidemment parce que j'ai peur de ce que je suis en train de dire, enfin de comment vous allez interpréter ça. Quand je dis que quand je tourne à droite, je ne regarde seulement que d'un côté, c'est faux. Mais c'est dans le sens que là où il y a plus de, là où le danger est direct en fait, c'est dans ce sens-là que j'interprète la chose. Évidemment, avant de tourner à n'importe quelle intersection, je regarde et à gauche et à droite et à gauche et à droite plusieurs fois évidemment. Je ne regarde pas que seulement d'un côté quand je veux tourner. Et c'est pareil d'ailleurs dans Euro Truck. Mais du coup voilà, c'est dans le sens que voilà, là où le danger il est un petit peu plus immédiat. Parce qu'évidemment ça c'est l'erreur, en plus en France je parle, donc quand on roule à droite, t'es à une intersection. Généralement quand il y a des intersections, il y a aussi des passages piétons. Et souvent l'erreur que les gens font, on dirait un moniteur école, attention, c'est que quand tu veux tourner à droite, tu regardes seulement à gauche. Parce que oui, du coup le danger immédiat il vient de la gauche, les voitures elles viennent à gauche. Il n'y a personne qui va venir de la droite, sauf si quelqu'un roule en sens inverse, tu vois. Évidemment, il faut faire aussi attention à cela. Mais le problème, c'est qu'en regardant seulement à gauche et en t'engageant, bah imagine, il y a quelqu'un qui traverse un passage piéton du coup à droite directement, bah tu l'as pas vu venir et tu l'écrases. C'est pour ça, il faut vraiment regarder des deux côtés tout le temps, les amis. Hein. Ok, là, ça va être compliqué. Là, il faut prendre très large. Et je me suis mangé, ça passe pas. Ça passe, mais j'ai cogné, hein. Bon, c'est déjà mieux que l'autre fois parce que plusieurs fois je suis passé par là et je me suis retrouvé bloqué. Bon, avec des remorques un peu plus grandes aussi. Hein. Je crois, je suis pas sûr. Mais ouais, c'est assez compliqué à dos ici. Hein. Mais une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Ok, là ça va être chaud de s'engager, ça va être chaud de s'engager. Laisse-moi m'engager, voiture. Je suis le pire. Si tu fais ça dans la vraie vie, t'es mort. Hein. En même temps, ils sont teubés, hein. J'ai exprès mis mon clignotant à droite, donc les voitures derrière, elles auraient pu se mettre sur le côté. Regarde là, comme elle le fait, là, la voiture, elle me double devant. Hein. Enfin, derrière. Là. Ça y est, je commence à m'énerver. Oui, ah oui, parce que c'est vraiment très réaliste, hein. C'est de la vraie simulation, ça m'énerve pour de vrai. C'est comme dans la vraie vie, quand il y a un truc qui va pas sur la route. Bah, là, c'est pareil sur ETS, quand il y a un truc qui va pas, ça m'énerve. Et là, le soleil se couche en plus, donc c'est bien, fin de vidéo sur un soleil couchant. Ça, c'est sympa. J'aimerais bien doubler le camion, mais évidemment, c'est pas bien. Après c'est 97 km/h, hein. Il roule pas vite le camion, hein. Bon, il va y aller là. Ouais, je vais le doubler là, je respecte pas du tout les distances de sécurité, c'est pas bien. Voilà. Donc tu vois, je comprends cette situation des poids lourds sur l'autoroute qui double les poids lourds. Ça nous énerve nous les automobilistes, c'est normal. Mais le problème c'est que tu sais, t'as une livraison à faire. Il faut que tu roules à ta vitesse. Et le problème c'est qu'il faut aussi respecter les distances. Et là en l'occurrence je les respectais pas. Bon là en l'occurrence le camion était vraiment très très long, donc j'ai vraiment eu beaucoup de facilité à le doubler, hein. On va vraiment pas se mentir. Impeccable. Et là il y a des voitures qui essaient de me doubler, elles sont un peu dans le mal. Enfin si elles arrivent à me doubler évidemment. Je vais mettre mon régulateur, comme ça j'évite de trop dépasser la limitation. Là je suis à 2 km/h au-dessus, donc tranquille. Donc à noter évidemment que les limitations sont pas pareilles, hein. Là vous voyez sur mon GPS, mon limitateur il me dit 97 km/h. Parce que c'est converti en fait, il me semble qu'ici c'est je sais même plus c'est quoi la mesure. C'est pas miles par heure, je ne sais plus. Mais dans tous les cas c'est du coup c'est une autre limitation. Et donc là c'est converti, puisque moi j'ai un véhicule français. Donc ça fait 97 km/h évidemment. Et là la voiture derrière, regardez là, elle est un petit peu dans le caca. Elle peut pas me doubler. Ah, c'est con, hein. On se concentre, on va éviter quand même de lui rentrer dedans. Là, le problème, c'est que je vais pas tarder à doubler la voiture qui est à droite, là, devant. Et ça, c'est pas bon. De toute façon, ça ralentit devant. Attends, ça ralentit, donc on va y aller tranquille. On va pas faire les cons. Surtout qu'on est bientôt arrivé, donc ce serait quand même bien con. Voilà, je laisse la voiture me doubler. Et là, il faut que je tienne à droite ou à gauche. J'ai pas vu les panneaux. Je suis un tocard. Ok, faut que j'aille tout droit. En plus, avec le contre-jour, j'ai du mal à voir les panneaux. Felixstowe, c'est bon. Felixstowe. Donc là, faut suivre toujours direction Felixstowe. On y est bientôt d'ailleurs. Ah là, faudra que je tourne à gauche. Ouais, c'est à gauche. Wouah, c'est tant d'axes. Ça passe. On prend large.
Oh, c'est parfait. Eh, mon virage là, il est parfait, les amis. Enfin, jusqu'à ce que je le dise, non, ça va. Eh, le début de mon virage, il était parfait. J'ai bien serré comme il fallait. Alors, laissez-moi m'engager, les copains. Nickel. Putain, il y a beaucoup de manœuvres à faire. Là, je découvre. Hein. Là, vous le voyez sur le radar. Quand c'est en jaune, ça veut dire que j'ai déjà pris la route. Et là, actuellement, c'est pas jaune. Ça va devenir jaune au fur et à mesure. Hop, voilà. En l'occurrence, je suis en train de découvrir au fur et à mesure cet endroit. Donc, c'est sympa. Il y a pas mal de manœuvres à faire hein, quand même. Ça fait beaucoup de tourbillons. Ça va, je m'y fais finalement à la conduite à gauche. Mais je pense, de toute façon, ça va venir au fur et à mesure plus facilement. Mais... c'est quand même que c'est pas évident hein, quand t'habitues à rouler à droite. Faudra essayer une fois si vous êtes chaud, mais ça on fera en live, etc. Mais d'essayer de conduire un camion justement anglais, donc avec le volant à droite. Et faudra qu'on essaye de le rouler et en Angleterre et en France. Je pense que dans les deux cas, ça sera complicado. Hein. Alors moi, pour ma simulation, ça changera rien en plus parce que j'aurai toujours le sélecteur de vitesse à droite. Alors pour l'occasion, je pense que je le mettrai à gauche. Parce que justement, quand t'as le volant à droite, t'as le sélecteur de vitesse qui est à gauche. Enfin, le levier de vitesse qui est à gauche. Donc ça rend vraiment le truc beaucoup plus compliqué. C'est incroyable. Oui, oui, je dépasse totalement la limitation, hein, mais vous inquiétez pas. Voilà, on ralentit tranquillement. Et là, ça va être le dernier rond à faire avant qu'on arrive normalement à destination. Donc ça se passe plutôt bien, petit trajet. Voilà, une petite vidéo d'une demi-heure, au calme. Felixstowe, on y arrive. Et attention parce qu'on n'a pas encore fait la manœuvre pour rendre la remorque. Hein. Alors là, ça va être encore une autre histoire. Hein. J'ai vraiment du mal à manœuvrer. Hein. C'est quand même plus simple évidemment avec le volant. Mais c'est pas non plus évident. Par contre, on va se calmer sur la vitesse. Hein. Voilà. Allez, tout en douceur quand même. Hein. Donc là on y est, il nous reste 1h27, donc c'est l'équivalent de 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes. Faudra que je calcule à peu près c'est quoi les équivalents. Après ça dépend. Bon après je fais beaucoup le kéké, hein, l'habitude de la voiture, c'est-à-dire que je roule à une main alors qu'un camion c'est tout de suite plus compliqué en réalité de rouler avec une main, donc faut que j'essaye d'être un petit peu plus RP et rouler avec les deux mains sur le volant au maximum. Après, ouais, je respecte... Ah si, je respecte les limitations, c'est bon là. Hop, attends, je vais mettre le régulateur, comme ça je suis sûr de pas faire de conneries. Voilà, là on est bien, là. Là on est bien, Tintin. Et il faudra que je serre à droite. Par contre, le camion, il est sur la bande de droite, là. Hein. Alors qu'il double personne. Voilà, c'est bon. Tu sais, ça aussi, c'est un mindfuck. Dans ma tête, ça n'a pas de sens. Parce que pour moi, évidemment, normalement, tu roules à droite et on double à gauche. Alors que là, c'est l'inverse. Alors quand je vois un camion qui est lent et qui est sur la bande pour doubler, bah forcément, ça me perturbe. Ah bah, il y a des flics, là. Ok, donc là c'est 50 miles par heure normalement, du coup ça fait 80 km/h. Sachant que c'est encore converti du fait que ma limitation c'est une limitation différente. C'est pareil, quand t'es à 110 sur l'autoroute, par exemple les camions ils sont limités à 90 par exemple. Je sais pas, je dis ça au hasard, je crois que c'est ça, mais un truc dans le genre. Ah là faut encore que je sorte, non? Ah non, tout droit. Felixstowe. Là, faut que je me mette à droite. Pareil, j'ai un petit peu du mal avec ces intersections. Enfin, c'est pas des intersections. Comment on appelle ça d'ailleurs? Ouais, enfin bref, c'est sorties d'autoroute. J'ai du mal. Salut, collègue. Ah oui, attends, mon klaxon, c'est un klaxon tuning. Hein. Évidemment. Ah ouais.
Eh bien les amis, dernière ligne droite, je peux voir sur le GPS la destination. Enfin j'ai cru voir, attendez. Ah je me suis enflammé. Je crois que je me suis enflammé mais j'ai cru voir la destination sur le GPS sentier. Non? Si si. Je crois hein. Pas du tout. C'est un faux espoir. Là je suis actuellement à 110 km/h. Autant vous dire qu'on profite un petit peu. Si si, il y a la destination, si si, j'ai pas rêvé. En fait on peut voir en haut du radar un petit scintillement. Donc là on est bien évidemment arrivé à bon port. Donc là voilà, faudra tourner à droite. Enfin tourner à gauche pour aller à droite et on sera arrivé. Donc d'ailleurs je vais me calmer sur la vitesse parce que là du coup je vais pas pouvoir doubler. On va rester à gauche, direction Felixstowe. Et on est arrivé les amis, yes. Enfin voilà, moi, mais lui il sait pas où il va lui, hein. ça c'est typiquement les camions. Mais frère, ah, évidemment je rigole hein. Qu'est-ce que je voulais dire, oui, par rapport à la deuxième caméra qui est juste au-dessus de moi, qui voilà, comme ça vous voyez mes gros bras musclés, pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez des idées de comment mieux placer la caméra, ou si tout simplement, je me suis mis en neutre comme un connard, ou si tout simplement vous trouvez ce plan sympa, vous me dites, voilà, si vous avez des idées de comment mieux faire ça, comment améliorer, voilà, moi j'écoute tous vos conseils, dites-moi tout ça en commentaire, voilà. Donc là, on est bien évidemment arrivé à destination. Pareil au niveau du son, si le volant ça vous dérange pas trop de l'entendre vibrer, etc. On va voir, déjà je vais voir évidemment le rendu de la vidéo. Mais moi j'attends surtout vos retours, vos commentaires, parce que c'est ça qui va vraiment être véridique. Parce que de toute façon, on n'a pas toujours les mêmes points de vue. Donc c'est pour ça c'est intéressant de savoir. Notre client souhaite réceptionner sa livraison dans les délais. Alors déjà tu vas te calmer, parce qu'il me reste 14 minutes de route et il la veut dans 1h53. Donc j'ai encore le temps. Pourquoi ? Ça, j'aimerais savoir aussi, là, les joueurs d'Euro Truck, les gros joueurs. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi ils te mettent la pression comme ça, alors que je suis arrivé dans un quart d'heure et qu'il me reste 1h30 grand max, tu vois. Genre, stresse pas, je suis là. Dans un quart d'heure, je suis là. Pourquoi ils mettent la pression comme ça? Je comprends pas. Ok, on va se calmer. En tout cas, officiellement, on n'a pas eu d'accrochage encore. Donc ça, c'est cool. Et là, du coup, on part sur une découverte de Felixstowe. Parce que du coup, je n'y suis jamais allé. Si, apparemment, si j'y suis allé, visiblement. Parce que je vois que le tracé est jaune. Si, si, j'y suis déjà allé. Mais j'ai pas encore tout exploré de la ville, par contre. Il n'y avait pas une voiture à droite? Ah si, elle est là, putain. Je viens de la doubler. On est arrivé à bon port. Ça va être maintenant assez amusant pour faire les manœuvres. C'est quoi? Ah, c'est un hôtel. Un hôtel Trivago. Ouah, c'est un rond-point. Alors là, les ronds-points, pareil. Les ronds-points, moi, j'y comprends rien. Non, il faut que je prenne la deuxième. Donc. Alors, je me suis arrêté sur un passage piéton. C'est vraiment le pire truc. Allez, là! Ah, il veut pas s'engager, il y avait la police, il a raison. Donc là, faut que je reste sur cette voie. Ok. C'est parti. What? Je me suis engagé alors qu'il y avait un camion, je l'ai pas vu. Je comprends pas d'où il est venu. Et là, je sors ici. Ça passe. Ça va, franchement, je m'y fais. Je m'y fais quand même à l'Angleterre, moi. On va se faire un petit road trip en Angleterre si vous êtes chaud. Ça passe. Et puis ça va être à gauche bientôt. Je sais pas où. Donc on va faire attention. Je comprends pas. C'est là? Ouais, c'est là. C'est ça. Ok, bah les amis, on est arrivé. Yes, yes. On a réussi. Voilà. Oh, il y a moyen. Attends, on va le faire en vue on va le faire en vue première personne si j'y arrive. Ah merde, j'ai calé, putain. Quel idiot. Je vais réussir à le faire en vue première personne. Je suis chaud. Il y a moyen.
Oh les mecs, attendez, c'est incroyable ce qui se passe. Attends, je vais pas m'enflammer, ce serait vraiment débile. Alors attendez, ce qui se passe, c'est incroyable. Oh yes! Putain les mecs, alors vraiment hein, je rigole, mais alors zéro. J'ai réussi à manœuvrer en vue première personne. Et bah c'est excellent tout ça les amis, ça fait extrêmement plaisir, on peut enlever les gyrophares, quel plaisir. Bah les amis, j'espère vraiment que cette vidéo qui aura duré à peu près une demi-heure, eh bien vous aura plu. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à répondre à toutes mes questions que je vous ai posées. Et puis les amis, on se retrouve donc en live sur Twitch. Suivez-moi pour ne rien rater, parce que du coup c'est vrai que en ce moment, en ces temps un petit peu difficiles de confinement, bah, je fais un peu les lives quand j'en ai envie. Il peut y en avoir deux par jour, trois par jour, zéro par jour, ça dépend. Donc n'hésitez pas à me follow, évidemment c'est gratuit, donc profitez-en. Et voilà, c'était Mkolo, pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, on se retrouve très vite pour de prochaines. Ciao tout le monde, et ciao ciao, salut.